deux horloges sont accrochées au mur du bureau de Jean Hwajong. L'une indique l'heure de l'Éthiopie, l'autre celle de la Chine. Le décalage horaire est de 5 heures, mais pour Jean Hwajong, le temps est synchronisé. Dans le bureau de Guangzhou a lieu une vidéoconférence sur un important projet en Éthiopie et le temps presse. L'investissement total de la création de la ville de l'industrie légère aux caractéristiques chinoises s'élève à 3,2 milliards de dollars. Jean Hwajong a fait fortune à la force du poignet et est devenu le plus important producteur chinois de chaussures pour femmes. Le processus de création de l'entreprise a cependant connu des hauts et des bas. C'est cependant grâce au courage et au sens de l'innovation, et parce qu'il a su voir le potentiel de l'Afrique, que Jean Hwajong a transféré une partie de ses productions et est devenu le pionnier de l'industrie cordelière chinoise en Éthiopie. Jean Hwajong a décidé de se rendre en Éthiopie en septembre 2011. Et à la surprise générale, les premières opérations d'usine ont commencé au bout de seulement 3 mois. Tout ceci est le fruit des expériences professionnelles de Jean Hwajong. Tous les jours à l'aube, comme des soldats, les ouvriers éthiopiens se sont adaptés au rythme chinois. Jean Hwajong mangeait et logeait souvent avec ses employés pour leur transmettre le dur sens du labeur chinois. Lors de ces 4 années en Éthiopie, plus de 100 employés formés ont démissionné pour trouver un meilleur emploi. Jean Hwajong relate souvent cette anecdote et ce regret, mais tout en gardant le sourire. Il pense qu'il s'agit d'un intérêt public que d'avoir formé des gérants talentueux et espère que ces derniers transmettent l'expérience et la culture chinoise à d'autres.